Bonjour les touristes. Bonjour les touristes, nous allons revoir le prix général de Rougemont qui s'est disputé le 1er avril sur les 3600 mètres de la piste de Auteuil. Et on a eu droit à une arrivée de favoris avec la victoire de A plus tard devant Côte de Grâce. Pardon. Valcroix, le favori, a pris la troisième place à distance devant Solidam, qui est sûrement un cheval d'avenir. Et encore plus loin, c'est Artemidor, l'as, qui a complété l'arrivée du quintet. Bon, il y a vraiment eu quatre chevaux autres. Je pense que ce sont des chevaux qui vont certainement confirmer. Bon, plus tard, il va être pénalisé au poids, mais les autres, dans les quintets, ce sont des chevaux qui n'auront qu'un mal à confirmer lors de leur prochaine tentative. Donc voilà, derrière c'était un peu plus compliqué. Le cheval de Jean-Paul Gallorini, Nils Paris, n'a pas mal couru. Le reste, pas grand-chose, quoi. Il y a eu du rythme, le meilleur a gagné. À plus tard, restait sur une dive l'Argentin. Il était dans le sceau, il a gagné avec de la marge. Stan. Côte de Grâce termine à trois longueurs. C'est le seul cheval qui l'a un peu approché. Valcroix, lui, il est à 13 longueurs. C'est déjà plus loin. Il a du mal à gagner ce cheval-là, mais bon, il fait jusqu'à présent toutes ses arrivées. Il y a Solidam qui était très chuchoté, il manquait peut-être un peu de dureté. Donc voilà, c'est une course qui va certainement servir ses intérêts et il faudra le suivre à l'avenir. Je vous dis derrière, pas grand-chose. Les chevaux sont loin puisque après on a quasi 15-20 longueurs du gagnant. Ce sont des distances qui vont être très difficiles à resserrer à l'avenir. Voilà, on est déjà dans la ligne droite. On voit la victoire de à plus tard. Lascar Green a pas mal fini. Mais bon, pas grand-chose à dire sur cette course. Voilà, on voit vraiment qu'il y a des écarts et à reprendre sûrement Côte de Grâce, prochain gagnant. Et le cheval qui est arrivé quatrième, Solidam, le numéro 7. Voilà, à très bientôt les turfistes.